Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner un complément d'information concernant la boîte galbée impériale hexagonale. Donc voici la notice et le listing des pièces. Dans le listing, il y a toutes les pièces, la forme, le nombre et la dimension des pièces. Et dans la notice, il y a des schémas avec des dessins en 3D, étape par étape du montage de la boîte, du couvercle, ici le couvercle, et des habillages extérieur, intérieur et du couvercle. Voilà, donc pour gagner du temps, donc j'ai collé les montants. Deux par côté et une cartonnette de centrage qui crée une butée pour recevoir les pentes intérieures ici. Voilà, donc à voir comme ça, les montants paraissent fragiles. Ils sont forcément à manipuler avec précaution vu la finesse des montants, quoi. C'est très fin. Et donc pour consolider le tout et pour avoir une symétrie parfaite, donc j'ai créé cette pièce, une ceinture avec des mortaises, deux par côté, qu'on va en coller. Je vais mettre de la colle. On va mettre de la colle devant chaque trou. Un petit point pour que ça rentre dedans. Il vaut mieux mettre un peu plus que un peu moins. Ça vous laisse le temps de bien mettre. Voilà. Je pose. Je retourne. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je vais fixer cette ceinture. Je vais viser un angle ici. Voilà. Là, j'ai déjà mis cet angle-là. Je ne tiens pas compte des autres. J'appuie un petit peu sur la ceinture. Et je viens glisser, les montants vont s'insérer dans les trous. Hop, j'y vais en tournant. Je fais glisser le montant. Voilà. Voilà. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas déformer le montant. Voilà, on y va en tournant. Ah, celui-ci est sorti. Celui-ci. Voilà, il me reste celui-ci. Voilà. Voilà, ça fleur. Voilà, oui, hop, j'ai mis. Maintenant, bah, du coup, tout est symétrique. Une fois que ça c'est fait, on va commencer par mettre les intermédiaires, les cartons intermédiaires. Il y en a 6 par côté. 6 intérieurs, 6 extérieurs. Ensuite, celui-ci vont aller en façade de boîte et celles-ci vont aller en bas. C'est pour créer une épaisseur quand vous allez habiller la cartonnette. Ça empêche la cartonnette d'aller vers l'intérieur. Donc du coup, le fait de mettre un carton, ça crée une épaisseur. Donc pour coller cela, c'est très facile. Pareil. De la colle un petit peu en haut et je viens le mettre comme ceci. Voilà. Il suffit de viser. Bon, je vais vous faire deux. Je vais mettre de la colle ici. Ici, un petit peu en haut aussi. Hop. On y va en tournant. Voilà. Donc là, j'ai fait deux intérieurs. Donc je vais prendre celui de l'extérieur.
Les encoches vont vers le haut. Donc je peux mettre de la colle ici, ici aussi. Voilà. Hop. Je vais mettre celui-ci. Donc les encoches en face des encoches. Voilà. Vous voyez, ça va. J'ai créé juste le. Il y a le jeu qu'il faut. On va mettre une autre. Hop. Donc je vise. Voilà. Sauf que ici j'ai oublié de faire un petit détail, je vais l'enlever. Avant que j'ai oublié que il fallait poncer ou couper un petit peu en biais. Donc je sur 1 mm en biais. Ici aussi. Voilà. Faire avec la poncette si vous voulez aussi. Oui, parce que si je ne ponce pas, je remets de la colle. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je ne ponce pas l'angle, voilà. Hop. Je vais remettre celui-ci. Je remets de la colle. Voilà. Alors, le fait d'avoir poncé, j'ai créé un espace ici dans l'angle. Entre les deux, l'espace correspond à la largeur du renfort d'angle. Bon, mais, et donc, on peut mettre le renfort d'angle maintenant, comme ceci. Je mets de la colle dans le bas. Et je mets de la colle ici. De chaque côté, en haut. Hop, je le présente en bas. Et voilà, je vais le mettre ici. Petite précision, les renforts d'angle sont à poncer un petit peu en biais de part et d'autre de l'axe du montant. Avec une poncette comme ceci, en l'inclinant comme ça. Parce que comme les renforts d'angle sont inclinés à 60 degrés, ils ne sont pas alignés avec les montants. Donc le fait de poncer un peu, ça va les aligner. Sinon, ça va déformer un peu la cartonnette de surface. Je vais mettre celui-ci. Alors, avant de mettre le deuxième renfort d'angle, je vais placer au fur et à mesure, je vais mettre cette petite pièce dans l'encoche ici. Ah oui, je vais mettre de la colle dans le bout aussi. Voilà. 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 La pièce doit affleurer le montant. Voilà. Quand vous passez le doigt, vous voyez, ça suit. Et vous voyez, du coup, le renfort d'angle, il s'est collé à l'intermédiaire. Et du coup, il ne peut plus gigoter ni à droite ni à gauche. Je vais mettre une deuxième. Une deuxième. Aussi de la colle dans le bout. Voilà. Je l'insère comme ceci. J'espère que vous voyez. Voilà. Délicatement, je pousse un petit peu. Voilà. Et du coup, le montant, là, le renfort d'angle, il ne peut plus bouger. Je vais mettre. Dans le renfort d'angle, ici, il faut le poncer un petit peu en biais avec une poncette plate de chaque côté pour le ramener bien. Sinon, il va dépasser. Vous pouvez faire un petit pré-ponçage avant et un ponçage final une fois que tout est bien sec. Alors, je mets de la colle dessous. De chaque côté et du côté gauche. Et je viens le mettre en bas.
Et voilà. C'est collé. Et donc, vous faites, vous continuez en tournant. Vers la droite ou vers la gauche, c'est pareil. Et là, donc, je vais troncer en biais comme ça. Sans déformer le montant, je finis un petit peu, voilà, je ponce un petit peu en biais la partie verticale, je mets de la colle ici, hop, je profite pour mettre de la colle ici et je mets de la colle en bas sur le tenon. Et je viens mettre le montant dans l'encoche. Hop. Voilà. Et je vous mets une dernière. Donc là, il faut poncer un petit peu en biais les extrémités. On met de la colle ici et ici. Et je vais mettre de la colle ici aussi pour que l'intermédiaire d'ici colle à la ceinture. Donc je mets les tenons en face des mortaises. Et voilà. Et donc normalement ça doit affleurer. Voilà. Une fois que donc vous avez mis tous les intermédiaires, vous allez commencer par mettre la cartonnette intérieure. La cartonnette intérieure, je l'ai galbée à l'aide de mon tube avec de l'eau encollée ici. Et vous voyez donc là, quand je la place comme ceci, la cartonnette de centrage, je vais mettre comme devant une partie qui est préparée. Voilà, vous visez donc les deux angles, et voilà. Et hop, ça va aller comme ceci, ça va épouser la forme. Et ainsi de suite, vous allez en tournant. Et pour l'extérieur, donc je vais prendre celui-ci. Cette partie-ci, on la ponce un petit peu en biais, et on vient la mettre en face ici. Et vous voyez, elle va se remettre, elle va arriver, elle va suivre, elle va épouser la forme, et elle va arriver juste en bas. Ah oui, la petite pièce aussi, ici, qui se met... celle-ci, il faudra la poncer un peu en biais, celle du bas. On la ponce dans le... Voilà. Et je vais l'aligner. Voilà, je l'aligne avec les montants. Elle me sert de butée, comme ceci. Et elle empêchera la cartonnette de cintrer. Voilà. Et je vous laisse découvrir par vous-même la suite du montage.